j'imagine, parler du résultat, on peut dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart entre les deux équipes. Oui, c'est un match de play-off, hein, ça se joue au détail. On perd de 8 points, c'est pas beaucoup au basket, mais on a manqué de détails ce soir et on va se rattraper au match 2. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir, hein, pour... Dans les attitudes, en première mi-temps, on n'était pas très très dur, on ne montrait pas qu'on était en play-off. Et c'est ça qu'il faut changer au match 2. Est-ce que vous êtes mené dans les 30 dernières minutes, vous êtes tout le temps mené, vous essayez de revenir, vous n'avez jamais réussi à repasser devant quand vous... On revient à moins 4 et encore une fois, on n'a pas été dur et c'est ça qui nous a manqué dans nos attitudes habituelles et c'est ça qu'il faut changer au match 2 car c'est des play-offs, ça joue plus dur, les arbitres les jouaient donc il faut jouer plus dur pour gagner ce genre de match. Alors c'est un problème mental, vous êtes pas bien minable ce soir, pas midable à ce point, mais on n'a pas été dur quoi, à toucher les mecs. On avait un plan de jeu sur cette équipe-là, on n'a pas respecté ce plan de jeu, donc voilà, quand le coach demande un truc, il faut respecter. Toi, tu as répondu présent ce soir, 17 points, tu fais vraiment un bon match, mais on a demandé beaucoup plus d'autres leaders qui sont passés un petit peu au travers, les jeux d'expérience, ça a manqué ça aussi, j'imagine. On a loupé nos tirs, ça arrive, c'est du basket, c'est un sport d'adresse, mais c'est pas ça qui a fait qu'on a perdu aujourd'hui, c'est la dureté et encore une fois nos attitudes. Il y a le match de lundi, qu'est-ce qu'il faudra corriger, c'est ouais, être plus intense, être plus dur, c'est ça l'idée. Exactement, changer nos attitudes, montrer devant nos fans que la vraie équipe qu'on est, et qu'ils ont vu depuis qu'on est à Comet, et c'est ça qu'il faut changer. Merci beaucoup. Germain, tu ressors comment ce match? Je pense que c'est pas ce que tu voulais voir. Il y a des attitudes qui ont pas dû te plaire. Ben non, mais déjà je vais féliciter l'équipe de Lille qui elle a commencé ses playoffs à 20h. Point final. Ils ont fait le match qu'il fallait pour nous battre. Félicitations à eux. Mais moi je veux parler de mon équipe au lieu de parler de celle de Lille. Moi, j'ai vu 17 matchs à l'extérieur cette année de mon équipe. Vous savez, on est très up and down, comme on dit, hein, avec des hauts, avec des bas. Eh bien, j'ai revu un 18e match de championnat. Je vous dis attention, hein. Attention, soyez prêts. Parce que sans manquer de respect à Lille, et je pense qu'ils se rappellent du dernier match qu'on a fait à domicile, ils nous attendaient. Hein. Mais eux, ils ont commencé les playoffs à 20h. Nous, on n'a pas commencé les playoffs. Nous, on ne les a pas encore commencés. Donc maintenant, il va falloir décider ce qu'on veut faire. Je l'ai dit, et c'est pas pour me... Attends, on en a parlé. Pas pour me dédouaner, moi je dois faire mon travail aussi. Mais les play-offs, c'est pour les joueurs. Les play-offs, c'est l'intensité. Nous, les coachs, on peut rien faire dans l'intensité. C'est la dureté. Nous, les coachs, on peut rien faire. C'est l'attitude positive. Nous, les coachs, on peut rien faire. C'est la détermination. On peut pas toucher ce levier. C'est tous les ballons 50-50 qui traînent, il faut que ce soit pour nous. Ça, c'est un levier qu'on peut pas toucher. Donc nous, on peut faire des choix, mais c'est les joueurs qui doivent décider un petit peu de l'intensité qu'on doit y mettre. Donc je leur ai dit très calmement, j'étais un peu moins calme à la mi-temps, mais à la fin du match, je leur ai dit, les gars, vous aurez ce que vous allez choisir. Vous aurez ce que vous allez choisir. Donc le match des play-offs 1, on n'a pas encore commencé les play-offs, donc à vous de voir. Vous êtes revenu par un moment très proche, 4 points, mais... En voyant le match, on n'a pas ressenti à un moment que vous étiez capable de prendre le momentum. Mais c'est marrant parce que je pense que personne ne l'a senti. Je parle des gens qui étaient sur le banc. Déjà, je vais remercier les Orléanais qui ont fait le déplacement. J'ai regardé mon banc alors qu'on était à moins 4. Je croyais qu'on était à moins 25. Hein. Et je leur ai dit, les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Oh, on revient à 4 minutes ou 5 minutes de la fin, ou allez, 6, je sais pas, à moins 4 alors qu'on aurait pu être dans la cave. Hein. Parce que Lille nous a quand même dominé. Hein. Et là, vous n'êtes pas... Donc tu pars avec ce que tu mérites. Et ça me fait mal au cul de vous dire ça, hein. Mais je vous dis ce que je pense. Donc au moins on sait ce qu'il faut dans les attitudes pas faire sur le prochain match. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de révolte qu'on voit en plus la manière dont on a été construit avec autant de joueurs d'expérience, ils connaissent ce genre de match? Mais je pense, parce qu'il y a eu trop, je pense. Hein. Regarde individuellement, tu sors qui du match? À part Neftali... Tu sors qui? Inconsciemment, quand individuellement le mec il apporte pas ce qu'il veut, bah, comme par hasard il est moins un peu dans la révolte, il est moins un peu. Mais là on n'est plus là pour soi. Les playoffs on n'est plus là pour soi. Je parle pour tout le monde. On est là pour l'équipe,
On est là pour gagner des matchs et pour personne d'autre. Et c'est... Allez pas croire que je suis fâché contre mes joueurs. Hein. C'est un constat. Voilà, c'est un constat. Moi, je fais l'état des lieux, c'est aussi mon travail. L'état des lieux de ce que j'ai vu ce soir, c'est ça. Donc, je l'aurais dit dans le vestiaire. On joue dans 72 heures. 48 dans 72. Ouais. Bah, montrez un autre visage, hein, messieurs. Montrez un autre visage. Hein. Parce que sinon, on commencera jamais nos playoffs. L'avantage, c'est que, quelle que soit la manière, ça fait qu'un zéro. Ouais, non, mais t'as raison. Perdu 32-1, moche ou beau. Encore heureusement. Mais j'aurais. Tu vois, on a prévu des choses tactiquement. En première mi-temps, on fait tout le contraire. Ça, demain, je vais leur montrer, et puis il faut qu'ils m'expliquent pourquoi. Parce que là, tu commences les playoffs, attention, stratégiquement, on met un truc en place, il faut que tout le monde exécute ce qu'on a envie de faire. Je sais même pas si ça aurait marché, parce qu'ils l'ont pas fait. Après, nous, notre métier, où effectivement, à la mi-temps, on ajuste, on a fait un mauvais choix, on fait un deuxième choix, ou peu importe. Mais non, game... Match numéro 1 pour Lille, voilà, maintenant passons au match numéro 2. Mané, c'est pas entraîné de la semaine. On va voir, on va faire le bilan demain. Puis en plus, il joue un peu trop. Les deux blessés, c'est ceux qui jouent quasiment le plus. Mané, c'est pas entraîné de la semaine, mais bon, voilà, maintenant il sait qu'il faut qu'il serre les dents et qu'il fasse les matchs et on doit faire le maximum qu'on puisse en faire. Mais voilà, c'est comme ça. Les gars, il faut qu'on... Moi, attention, je les adore et je les aime. Mais le cachet, c'est pas leur rendre service. Hein. Bobby, il est où? Jared, il peut faire mieux, même s'il est blessé. Starks, il peut faire mieux. Tyrone, il peut faire mieux. Jean-Michel, peut faire mieux. Jérémy, il a sauvé un peu son match, mais il peut faire mieux. Tous nos leaders, il faut faire mieux. Et nous aussi, les coachs, vraisemblablement, on peut faire mieux. Voilà. Donc maintenant, l'objectif, nous, c'est de faire un cadeau au public de Lille et c'est de leur donner un match 3. Voilà, c'est l'objectif qu'on va essayer d'avoir. Pour le match retour, mardi, vous attendez à ce qu'il y ait quel accueil pour Comet ? Mais l'accueil à Comet, il est beau, mais il n'est pas hostile, je pense. Donc ils seront bien accueillis. Maintenant, je pense que les Orléanais auront envie de voir une victoire à Comet parce qu'on n'a pas encore perdu à Comet et de, ce que je vous l'ai dit, de revenir ici à Lille. L'objectif maintenant, c'est ça. Comme le disait, aujourd'hui il y a 1-0, il faut égaliser à un partout. On est derrière à la mi-temps, on verra à la deuxième mi-temps ce qui se passe, quoi. S'il y a des prolongations ou pas. Donc à nous de gagner la deuxième mi-temps, sinon il n'y aura pas de prolongation. Merci Germain. Merci. Ok. What's your feeling tonight? After or before? After the game. After the game? I feel pretty good. You know, we went into the game with a few goals, objective to play the game, and I think we did a pretty good job following what we needed to do tonight. Do you think about fighting over this team of Orleans? Fighting? You said fighting? Yes, fighting. Yeah, I think that's the big thing with this team is to play physical. Keep fighting, you know, because they can potentially get a lot of shots if they, you know, if you don't fight with them, you know, they can gain a big lead if we don't fight, you know. Any other questions? Adrien, tu as une question? What did you expect about the second round of Orléans? What do we expect? We expect them to give it their all because it's a do or die game for them, you know. So they're down 1-0, so we have to expect them to hit hard, you know. We have to expect them to come out with everything they have, and we have to be ready for that, you know. So we have to go in there with our same objectives and make a few adjustments and then play our game. Do you have in your mind the last defeat? It's a very strong defeat. Yes, very, very, yeah. That I think in my life, I think I probably lost like that in, 15 years, 16 years of playing basketball, maybe once or twice. So, yeah, of course you're going to have that in the back of your mind. You're down by 40, you lose by 30. So, yeah, that's like a – can't go away until you complete that objective, you know? For this one, it was to make it a half-court game for them, not so many fast break points, you know? And make it
make it more of a physical game towards them, not backing down, you know, make them play. So that was our adjustments. Excellent. You're done. Yeah. Okay, cool. Thank you. Comment ça après un match comme ça? On s'en satisfait. Satisfait parce que je pense qu'on a joué le match qu'on avait envie de jouer, qu'on a souhaité jouer. On a adapté notre plan de jeu par rapport à ce qu'on avait pu faire à Orléans, qui avait été extrêmement probant puisqu'on avait perdu 107-71 il y a 3 semaines. Donc voilà, non, on a adapté, on a joué un match d'hommes, on a su résister psychologiquement dans les moments qui ont été un peu compliqués. Je pense notamment sur la fin du troisième, début du quatrième, où ça a été un petit peu compliqué pour nous. Non, donc plutôt satisfait après ce match-là. Maintenant, on sait que ça reste une mi-temps et qu'il y en a à minima une deuxième, voire des prolongations à jouer. Donc il faut qu'on reste concentré, qu'on soit très rapidement capable d'analyser les forces et les faiblesses qui ont été les nôtres ce soir pour... Parce que a priori il y a quand même des chances que Orléans fasse pareil et veuille nous poser encore plus de problèmes qu'il nous en pose. Donc il faudra qu'on travaille avec le staff là cette nuit et demain matin pour dès demain après-midi essayer de nous résoudre ces problématiques là, les anticiper puis les expliquer aux joueurs. Est-ce que le deuxième match, l'objectif ça va être vraiment le gagner ou c'est plutôt de construire un bon match et puis espérer une victoire et être au coup d'à-coup vers la fin du match? Je pense que les deux sont indissociables. Je suis partisan du beau jeu amène le résultat. Donc on va déjà essayer de construire le meilleur match possible et je pense que c'est en construisant ce meilleur match qu'on le gagnera. Maintenant on n'y va pas en disant on va faire un tour à Orléans et puis de toute façon on reviendra ici et on va voir comment ça se passe. Non. Dans des playoffs où on joue tous les 3 jours, on ne peut pas avoir le luxe de se dire on verra ce qui se passera ensuite. Qui plus est, Orléans, compte tenu de l'équipe qu'ils ont, ils peuvent revenir dans 6 jours et nous battre ici. Donc on jouera le match pour le gagner avec les armes qui seront les nôtres. On a la chance cette saison de pouvoir partager les temps de jeu et donc j'espère que ça nous aidera justement dans l'enchaînement. Mais on va y aller avec beaucoup de détermination. Il faudra qu'on soit capable de faire mieux et plus fort que ce qu'on a fait ce soir. Un petit point négatif à retirer avec ce soir, les pertes de balles peut-être, qui t'auraient peut-être permis de construire un matelas peut-être un peu plus confortable et de ne pas laisser finalement Orléans espérer un peu plus que ça. Ouais. Après, sur les pertes de balles, il y a 3 marchés, il y a 4 sorties. À un moment donné, ça reste... Bon, enfin, je veux dire, ouais, enfin, que j'ai compté dans les marchés, ça reste... Bon, c'est des choses... Les marchés, je sais plus si ça existe en basket. Donc un jour, c'est sifflé, le lendemain, ça ne l'est pas. Si on les prend, sincèrement, il n'y a plus de basket aujourd'hui. Il n'y a plus de basket aujourd'hui parce qu'il n'y a pas un joueur qui ne marche pas. Pas un. Donc, ça reste des choses un peu... Je veux dire, ça dépend pas totalement de nous. On va dire ça comme ça. Après, on a 2-3 pertes de balles un peu bêtes dans du jeu de relance. Je pense à la passe de Karl pour Bastien là, sur le jeu rapide où on l'échappe. Donc oui, effectivement, si on perd un peu moins de ballons, je pense que ça peut nous permettre d'être un petit peu plus à l'aise. Il faudra aussi qu'on ne laisse pas leurs joueurs s'exprimer sur leurs points forts. Je pense à Jérémy Leloup qui met ses tirs parce qu'à un moment donné, on n'est pas focus. Donc voilà, il y a ça. J'en profite sur la question sur les balles perdues et sur ma réponse par rapport au marché. On peut être d'accord, pas d'accord avec les arbitres maintenant, et je veux le souligner parce que c'est pas toujours le cas. J'ai trouvé que l'échange et la discussion qui s'était installée entre les arbitres, le staff, les arbitres, les joueurs était vraiment super. Donc on sait le dire quand c'est pas bien, je veux aussi reconnaître ça parce que, comme Benoît Malleg m'a dit, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses. Maintenant, à partir du moment où on s'écoute les uns les autres, je trouve que ça donne un match qui est plaisant avec eux et ça, je tenais à le souligner.
C'était pas le dernier match à domicile. D'un point de vue atmosphère dans la salle, c'est quand même un vrai cadeau aussi. Pour l'équipe, pour le coach. Ouais, c'est un vrai cadeau, je le dis, je le répète. On fait ce métier-là pour vivre ces émotions, pour le partage, pour voir cette salle comme cette saison. Je l'ai vu, je ne l'avais pas vu les 5 saisons précédentes. Un peu en fin de saison dernière, c'est, ça donne du baume au cœur, c'est plaisant. Je pense que ça permet aussi aux joueurs de donner un peu plus. Et c'est juste génial de jouer dans cette salle-là. J'espère que oui, il y aura un autre match. J'espère que ce sera un match de demi-finale et que ce ne sera pas un match de quart de finale. Ce serait bon signe pour nous. Et j'espère que, quel que soit ce match-là, la salle sera pleine à craquer et que ça nous permettra de nous donner des ailes. Mathieu. Il faudra. Il faudra qu'on installe cette dureté dès le début. Après, les fautes, elles sont dictées par la dureté qu'il y a dans le match dès le début. Elles sont dictées par le contrôle, parce qu'on peut être dur en ayant du contrôle. Et il faudra qu'on ait du contrôle. Quand je dis du contrôle, je parle un peu d'anticipation. La connaissance de cet adversaire sera de plus en plus importante, justement, pour pouvoir... anticiper ces retards et faire en sorte qu'il n'y ait pas de faute, parce que les fautes sont pour nous très souvent liées à des retards défensifs. Et les fautes devront être un outil pour ne pas laisser de panier facile à notre adversaire, et une force et non pas une faiblesse. Et il faudra qu'on construise ce match-là comme ça également. C'est bon pour tout le monde. Allez, beaucoup. Bonne soirée.